Warm. Mais c'est Nightmare. Pour avoir perdu. Contre 4 mecs. C'est-à-dire que c'est assez clair en fait. Mais Kazel, va vraiment falloir que tu m'expliques ce Jean-Mi quand même. Va vraiment falloir que tu m'expliques ce Jean-Mi. Hein. Ok, d'accord. Bon, allez, c'est une minute et voir 9, les gars. Allez, c'est parti. Jean-Mi contre Kaze. Jean-Mi chou. Ah, trop tard. Je ne sais pas qui sont là. Oh là là, la dash, c'est magnifique. Oh, maison. Mais qu'est-ce que tu fais, Ken? Bon, que fais-je, Jean-Mi? Lanceman. Il tente des trucs, c'est la beauté. Oh là 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 là, que c'est beau! Je ne comprends pas comment ce perso il marche, mais. Ah,
Il connaît les bails. Il connaît les boums. Voilà, casé avec les loups. Un bon petit combo là. Par contre, j'avais peur. Ah, dommage, j'ai essayé de faire un reset. Non, c'est plus vite. Il a mis son âme dans ce backer. Et respire, il en reste une ou deux. Hein. Ok, ok. Mais où tu vas là? Il a fui! Allez, je donne une manche à Ken Mac. Et qu'est-ce que tu parles? Vous m'avez toujours pas battu aujourd'hui. Four.
Allez, peut-être. Ça commence mal, ça commence mal. Oh, je suis interrompu par le nerf, par il a deux aériennes là, c'est le troisième aérien. Et Bakker, quatrième. Il est sur le bouclier, mais il n'aurait pas grave. Le maire. Pousse sur le vieux. Jean-Michel qui tombe au combat là. C'est là qu'il prend pas de risque. Ensuite, mais le pont par partie match intéressant. Comme chacun à 75%, ça va partir très très vite. Arrêtez. Je pense que aussi. Le pont vert, il est dans une situation. C'est vrai que le vert, il laisse dans une situation difficile, mais là, il met une pression. Comme sur le pont, R.O. Gauchy, le trade. Et donc, il le perd et le grand break, il passe pas à très bonne chose près. Ça se rate, ça se cherche. C'est un air formidable. Au shine, ça a tenté le shine backer, ça n'a pas marché. Yeah. C'est dommage que c'est elle qui avait fait une très très belle dernière spot là qui pouvait remonter. 1-1. Très belle game de la part de Kalmak qui a un peu de choc sur la spot. Deux personnages sont particulièrement faciles. Chacun a très très bonne intention contre ma vie. Le choix du stage va être un peu décisif. 3, 2, 1, go! Lancez. Il y a un grand avantage au niveau de la possibilité d'entrer le jeu. On place beaucoup de aérien et shine. C'est un safe. On contrôle avec un villager. Laser crab d'un verre. Ça a l'air naïf. Ça a payé de déjà très bien, il est fort à ce petit jeu-là, il est pas mal. Des bonnes tech chase, le down smash. Un petit repère, un petit repère down B. Est-ce que ça va pas stock? C'est un stock assez tôt d'ailleurs. Très très bon. Si c'est un c'est bon, c'est peut-être un peu bon. Donc, Casemiro repasse donc avec un round de backer, bien spacé. Part avec une stock pleine d'avance au Casemiro. Avec un back, par exemple. Et là, il continue. Il est très agressif, il reste dedans. C'est vrai qu'il n'y a pas de flingue. Regarde, j'ai toujours un shine d'un verre. Je vais tomber sur ma table. Bon super parce que tu as un excellent tombé en tech chase. Kalmak qui a deux gros stocks d'avance sur Kazéol. C'est que Kazéol n'a pas été. Les bonnes phases de Kalmak, un petit peu plus de temps.
dommage, ça tue pas tout de suite. Difficilement. Jal, Baker, Baker, passe, temps. Ça va tout de suite, ça va. Julien, tu es au 3 ou 5?